Veille de Shabbat, Vayera, Vayera qui veut dire Dieu s'est dévoilé. Alors en premier lieu, donnons tous de la tzedaka pour qu'on mérite déjà le dévoilement final, le dévoilement absolu d'Akadosh Baruch Hu. Mais vous savez, à cette période où il y a tellement de confusion, il y a tellement de questions qui se posent depuis 4 semaines, Simchat Torah, le 7 octobre, cette tragédie. Comment est-ce que on peut comprendre ce qui est arrivé? Dieu, tu as laissé tout cela. Eh bien, Vayera. Dieu se dévoile à Avraham Avinu. Depuis que cette guerre a commencé, nous voyons tellement de Vayera. On voit tellement de dévoilements, on voit tellement de miracles extraordinaires que n'ont pas d'explication logique, naturelle. Histoire que j'ai entendue hier, pas plus tard qu'hier, la personne qui m'a raconté me dit qu'il connaît textuellement les détails de l'histoire. Je vais bien le croire. À l'enterrement d'une des jeunes filles qui ont été massacrées le 7 octobre à Simchat Torah, sa sœur, qui est plus religieuse que l'autre sœur, pratiquante. Au moment de l'enterrement, elle éclate en sanglots. Et dans sa souffrance, dans cette douleur, elle s'exprime à Kadosh Baruch Hu. Dieu, je perds ma foi en toi. Et de cette manière, elle pleure. Il s'exprime de cette manière très négative. Tout à coup, sirènes sont vers au cimetière et voient des roquettes arrivant. Et avant qu'elles puissent s'en courir ou quoi que ce soit, il y a une roquette qui tombe à quelques pas près d'elle. Et bien sûr, on s'attend pour le pire. Cette roquette tombe, elle n'explose pas, elle est juste à ses côtés. Ceci au moment où elle dit à Kadosh Baruch Hu, Anima Abed et Amuna, je suis en train de perdre ma foi. Vayera, Dieu s'est dévoilé à elle et aux gens autour d'elle. Je suis là, je suis présent. Tu ne comprends pas comment ça s'est arrivé, pourquoi cette bombe n'a pas explosé. Tu ne peux pas comprendre non plus ce qui est arrivé à Simchat Torah. Shabbat. Une famille dans un kibbutz, que cette famille sont devenues religieuses. Ils sont devenus chômeurs Shabbat. Et habituellement, tous les Shabbats, ils quittent le kibbutz et partent chez la famille quelque part en Eretz Israël. Ce Shabbat de Simchat Torah, la dame, enceinte, assez avancée, a décidé qu'elle serait plus confortable chez elle, au kibbutz. Donc elle a décidé de rester chez elle, ce Shabbat. Tôt le matin, elle entend des bruits. Elle a tout de suite réalisé que ce n'est pas juste une infiltration, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Elle a vite pris sa famille, sont rentrés dans l'endroit de cachette, l'endroit qui est fermé de la maison. Mais elle peut entendre ce qui est dit à l'extérieur. Et voici ce qu'elle entend. Ce Palestinien qui travaille chez eux depuis des années, avec qui ils sont devenus presque comme famille, au point que cette famille de ce kibbutz envoie des cadeaux aux enfants de ce Palestinien, un des 500 000 Palestiniens qui travaillent en Eretz Israël. De bons amis. On est cousins, on est ensemble. Celui-là accompagne les barbares, les terroristes, de maison en maison, puisqu'il connaît le kibbutz. Ici, c'est telle et telle famille, elles ont tellement d'enfants, voilà qu'est-ce qu'ils font, ici c'est leur chambre à coucher, blabla. Elle entend leur dire, ici, cette maison, la famille n'est jamais là le Shabbat. Donc,
Pas besoin de rentrer, pas besoin de gaspiller du temps, pas besoin de gaspiller de l'énergie, pas besoin de gaspiller des balles de votre mitraillette. On avance. Et de cette manière, cette famille était sauvée. Ki Eshmera Shabbat, on chante. Si on va observer le Shabbat, Eshmera qui veut aussi dire protéger, garder, ce n'est pas nous qui observons, ce n'est pas nous qui protège le Shabbat il nous protège. Alors mes chers amis, ce Shabbat, invitez maximum de jeunes filles et d'hommes pour allumer les bougies de Shabbat. Cette bougie de Shabbat vont allumer la grande flamme de Ner Shetzion, la flamme de la Goula, la flamme de Mashiach, et nous allons tous célébrer ce Shabbat de Vayera, le dévoilement absolu d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.